Bonjour, c'est Licat et Madame sur la chaîne Je m'éclate pour vous présenter une partie à deux de Aeon's End. On va affronter aujourd'hui la Reine Carapace. Comme vous avez vu dans les scans, vous avez vu ses capacités. Vous avez vu nos deux personnages qu'on va utiliser. Cette fois-ci, on est à deux parce qu'il y a des devoirs en suspens, donc on se retrouve à deux. On voulait aussi vous souhaiter une très bonne année 2021, une bonne santé. Surtout. Oui, surtout. Voilà. Donc, on est parti. Je vais mélanger. On a tiré au sort le marché. On a préparé le paquet avec les trois étages de phases différentes ici. Il y a deux bugs sur le plateau. Et chose très importante qu'il faut savoir, parce que les premières parties qu'on a fait avec la Reine Carapace, on ne savait pas, et on s'est trompé d'ailleurs. Quand il y a un effet essaimé, du moment qu'il y a une bogue sur une ligne, on applique l'effet qu'il y a là. Il ne faut pas que la ligne soit pleine forcément pour... Même à la rigueur, comme il y a marqué de 0 à 3, quoi qu'il arrive, on applique le premier effet de la première ligne. Voilà, allez. Oh, je vais remettre les points de vie de Grévold. Ah, oh, c'est mon paquet de départ là. Oui, à droite, t'en pioches est déjà prêt. On est parti. Number one. C'est toi. Alors. Deux sorts. Et je peux avoir quatre. J'aime bien ça. Voilà. Ensuite, c'est à la Némésis. C'est parti. Reine Carapace et Sem. Donc voilà. Premier effet. 1. 2. 3. Et 4. On applique le premier effet. Mettez 4 bogues en jeu. Voilà. Donc on a intérêt à vite nettoyer tout ça là. Pour pas avoir les deuxièmes effets. C'est parti. Joueur à nouveau. 2 dégâts. Donc, c'est ce que je disais. Tu n'avais pas préparé ta main. Non. Je pensais pas que ça serait encore à moi tout de suite. Et j'ai 3. Je vais prendre ça. Hop, hop, hop. Némésis. C'est parti. Alors on a un effet, le ciel tissé, un pouvoir pour défausser 3 cartes de votre main, puissance 2. Et un joueur subira 4 dégâts. Hein ? Hop là, c'est à moi. Alors, mon petit sort, et pour 4, je vais prendre un rubis fulgurant. Hop, je prends les 5 prochaines cartes, puisque je sais qu'il y en a 5. Et du coup, c'est encore à moi. Donc je fais un dégât. J'ai un éther, 2 sorts. Un ici. Ça fait 4 pour 4. Pour 4, je vais, tant pis, ouvrir directement cette brèche. Et préparer mon deuxième sort, comme ça c'est fait. Voilà. T'as pas défaussé 3 cartes si on... Ah non. Ouais, effectivement. Bon. J'aurais pu faire ça. Pas grave, tant pis, trop tard. Non. Je peux garder. On n'a pas enchaîné sur un nouveau tour. Donc effectivement, je peux faire ça. C'est-à-dire que je n'ouvre pas cette brèche. Pour 4. Je dépense mes 3 gemmes, je les défausse pour enlever ça. Voilà. C'est pas faux. Et il me restera celle-ci et j'en pioche 4. 1, 2, 3, 4. Je mélange ça. Et on est parti pour
pour un nouveau tour. Donc, je pense qu'il faut après prendre très vite des sorts qui font max, un max de dégâts. Allez, Némésis. Le cracheur de brouillard. Grévol subit autant de dégâts que le nombre de points de vie actuels de ce serviteur, puis ce serviteur subit un dégât. Donc il a 5 points de vie. Ensuite, le joueur 2, c'est moi. Donc je vais faire un dégât. Je vais déjà baisser ça pour que Grévol ne morfle pas trop. Voilà. Ça, je le défausserai après. Ensuite, ben, je remets l'étincelle que j'avais gardée. Et ensuite, j'ai 5 cristaux. Éventuellement 6 si j'achète un sort. Bon, alors. Si j'en garde 2 pour prendre une charge, ça m'en fait 3. Et je pourrais déjà prendre un petit sort. Alors, je prends un sort à 3. Et pour 2 de plus, je vais prendre une première charge. Et voilà. Tu peux piocher la prochaine carte. Moi. 3, 4 et 5. Je vais pas plonger. Alors, 2 dégâts à chacun. Un à chacun ? Ouais. Après, j'ai ça et j'ai 2, 3, 4, 5, 6 si j'achète une gemme, 5 si... Si tu n'achètes pas de gemme. Ouais. Et ben je vais prendre ça, 4 ouais. Et 2, 6. Voilà, ok. C'est à nouveau à moi. Et je vais mettre... Donc je vais faire un dégât, j'ai enlevé une bog. Et ensuite j'ai mon petit sort et 4. Pour 2, je vais prendre une dague fléchissante. Et pour 2, je vais... Et pour 2, je vais stabiliser cette brèche pour pouvoir poser mon étincelle. Voilà. Hop, je pose comme ça. Je refais ma pioche. 1, 2, 3, 4. Là, j'attends de défausser ou je la retourne déjà en fait. Tu peux la retourner, je pense. Hein. De toute façon, on la mélange pas. Donc bah, c'est à toi là. 2 dégâts. Ah ben non, t'as pas pioché du coup là pour l'instant aussi. Et je sais plus. Oh, tu m'as mis le doute. Mais de toute façon, on la mélange pas, donc ça c'est pareil. Non, parce que ça, par exemple, ça atterrirait en dessous là. Alors que. Oui, ça va atterrir en dessous. Ça va atterrir en dessous pareil. Ouais, ouais. Vas-y, vas-y, continue. Deux sorts. Donc j'ai fait 2 dégâts, chérie. Ben, tu peux les faire du coup. Oui, mais non. Là, les moitiés. Je peux pas me prendre. Oui. Et je commence bien l'année. 3 cristaux. Et pour 3, je vais prendre. Je vais prendre. Je sais pas ce que je vais prendre. Je vais prendre une dague. Voilà, c'est fait. C'est bon ? Alors, c'est à qui, là, du coup ? À la Némésis. Alors, celui-ci fait 2 dégâts à Grévold. Perd un point de vie. Et on pioche une autre carte. Placer une oblogue en jeu pour chaque ordre du tour dans la défausse ordre du tour. Donc, ça fait 2. Et 2.
Et c'est parti, c'est à moi. Enfin, mes deux dégâts, j'ai enlevé les deux bogues. Hop là. J'ai une 1 éther en plus. J'ai deux sorts. Un qui va infliger deux dégâts. J'ai en tout 3, 4, 5 et voire 6 si je prends un sort. Alors, pour 3, je vais ouvrir cette brèche. Comme ça, c'est fait. Je peux placer ça. Il me reste 2, voire 3 pour prendre un sort. À ce moment-là, je vais reprendre. J'hésite. Soit je reprends une charge, mais pour l'instant, je prends le sort. Un sort ou une... Allez, une dague. Ça va me permettre d'ouvrir plus rapidement toutes les brèches et de lancer plus de sorts. 3, 4 et 5. Ah, c'est à toi, oui. 2 dégâts. Donc un ici. Et notre premier dégât à la Némésis, à la reine Carapace. Ouvrir une brèche. Non, tu stabilises pour 3, donc. Ouais. Oh, je vais tourner celle-là parce que j'ai besoin de. Ouais. Attends, parce que combien j'ai? J'ai 2, 4, 6. Tu peux les mettre au-dessus aussi, hein, tu sais. 8 si je veux. Hein? Hein? Tu peux les mettre au-dessus aussi si tu veux. Oui, bon, je vais faire. Donc, je vais la stabiliser comme ça. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Et après, j'ai 2, 4, 6, 8. Parce qu'avec l'agrégat, du moment que tu en as 2, ça fait 2 éthers de plus. Ouais. Ça fait 2, 4 et 2, 6, et un 7 et un 8 si tu prends une gemme. Une gemme. Donc déjà, je vais prendre ça. Ça fait 4. Il t'en reste 4. Il me reste 4. Oh, c'est pas trop mal, ça, non? Bah oui. Ah, ouais. C'est bon? Alors ça, c'est... Par exemple, si je l'avais tiré là, je pouvais le lancer ça de suite. Oui. D'accord. C'est bon? Ouais. Ah, c'est à moi. Alors, 2 et 1, 3 dégâts. Par contre, pour l'instant, je ne veux pas encore détruire une carte de ma main. 3 dégâts, celle-ci descend à 56. J'ai une dague, je vais stabiliser pour 3. Qu'est-ce que j'ai fait là? Je me suis planté là, non? Ah non, elle était là. C'est bien, là, ça, là. Bah, t'avais déjà stabilisé. Alors, pour 1. Ah non, pour 1, j'ai stabilisé. Quoique. Est-ce que ça vaut le coup? Ah oui, j'ai joué la dame. Donc là, j'en suis juste à stabiliser. Bon, bah, je vais stabiliser celle-là, tant pis. Ça va faire avancer avec ça. Et il me reste 4. Pour 4, je vais prendre. Je vais prendre une charge et une dague. Voilà. Un, deux, trois, quatre, cinq. Et c'est à la Némésis. On a un serviteur, une matrice de croissance. S'il y a au moins une bogue en jeu, tous les dégâts infligés à ce serviteur sont annulés et placer une bogue en jeu. Donc pour l'instant, elle n'a pas de bogue. Donc si on arrive à la frapper avant, ça serait pas plus mal. Hop, voilà. C'est à madame. Un dégât. À Jian. Un dégât. Donc on frappe lui. Hein. Mmh. Tant qu'on peut. Deux sorts. Je peux stabiliser une brèche. Donc là, par élimination, il reste que la Némésis. Hein. Avec quoi, une dague? Oh, t'as tout pris. On n'a plus de machin fléchissant. Non. Ouais, alors, je stabilise.
Et pour deux, je prends une charge. D'accord. La Némésis, placez une bogue. Et ensuite, on tire une carte. Déchaîné et Grévold subit 3 dégâts. Alors, déchaîné, c'est 2 bogues supplémentaires. Et ensuite, 3 dégâts sur Grévold. Du coup, on peut pas tuer le machin, c'est ça? Non, on peut pas tuer lui tant qu'il y a des bogues. Et on peut pas frapper la Némésis tant qu'il y a des serviteurs aussi, je sais plus. Aussi. Non, non, je confonds avec un autre jeu. C'est Voldemort. On peut pas tuer tant qu'on a. Ouais, puis il y a un autre jeu aussi. Quand on joue en coopératif à Hero Games. Alors. Hop, joueur 1, c'est toi. 2 et 1, mais ah, oui. C'est ça fait à moins que tu prennes un dégât. Alors, ou alors tu fais 1 et... C'est tout. Oh, bah, je prends un dégât. Oui, comme ça tu nettoies, on peut frapper, commencer à frapper lui là. Ah, donc du coup ça c'est fait. Ensuite, j'ai la prochaine brèche que vous stabilisez, coûte 3 de moins. Donc là, elle ne te coûte rien. Elle ne coûte rien. Et j'ai 2, 3, 4, 5. Oh, bah si, je vais prendre ça. Voilà. C'est bon? Ouais. Alors, pourquoi je joue, moi? J'avais pas de sort. C'est trop facile. Voilà, c'était pas moi, en plus. Placer une bogue. Et je pioche une carte. Ah, on peut défausser ça pour 4 charges. Sinon, c'est puissance 2, reine carapace SM, déchaîné et reine carapace SM. Ok. Ok. On va essayer d'éviter que ça se passe. Oh là là, Némésis. Donc, ça fait ça, ça fait ça. Et on pioche une carte. Reine carapace SM 2 fois ou un joueur subit 4 dégâts. Donc ça ferait 4 et après on morflerait encore plus, donc je vais subir 4 dégâts, tant pis. Voilà. Bon, ben, on est tranquille maintenant. Alors pour 2, j'ai préparé 2 sorts. T'avais fait son tour à lui? Oui. Oui, durable là. Ouais, ouais, j'ai rajouté les 2 bocs du coup là. Deux fois. Oui. Après, j'ai une dague fléchissante. Donc pour 1, je peux stabiliser ça. Et après, j'ai 2 ou 3. Bah pour 3, pour... Ah, quoique, je prends une charge. Oui, 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 une charge. Alors, tac. Voilà. Moi. Normalement, il reste plus que moi à la fin. Vous pouvez lancer un sort que vous avez préparé ce tour-ci et infliger 2 dégâts supplémentaires avec ce sort. Hein? Ça fait 3. Ah oui, mais du coup... Bah, tu pourrais soit tuer ces deux-là et tu perds un point de vie. Et en bas, on peut lui enlever un... Non, c'est un tant qu'il y a ça... Ah bah, je vais perdre un point de vie. Et on enlève les deux là. Plus ça en bas du coup alors. T'as 2 et. Bah j'ai 3 dégâts. Oui mais t'as quoi? 2 et 1? Non, 3 en tout. Ah ouais mais là tu. Non. Quoi non? C'est les bogues.
Bah, c'est pas grave, ça va nettoyer. Après, c'est moi qui frappe, donc je vais pouvoir frapper lui. Je vais lui faire enlever deux coup, déjà. J'ai 2, 4, 6, 7 ou 8 si je prends. Tu vas pouvoir faire les 4 charges ? Oui. C'est moi qui me sacrifie. Pourquoi ? Tu pourrais les faire 2, maintenant 4, et 6. Les dépenser direct ? Ouais. Ouais, il vaut mieux parce que moi, à la rigueur, ouais, pour soigner. Bon, bah, j'achète 2, 4, 6, 3 charges alors. Ok, et tu dépenses direct pour enlever ça là, qui était un petit peu gênant. Donc, dernier tour. Celui-là, je l'ai lancé, du coup, je l'enlève. C'est moi. Oui. Alors, je fais 2 dégâts. C'est bizarre. Quoi ? Pourquoi il avait 5 dégâts en petit comme ça, là ? Hein ? Bon, je sais plus ce qu'on a fait. S'il faut, on aurait peut-être pu le tuer un peu plus tôt, je sais pas. Pourquoi ? Bah, j'avais 5 petits dégâts alors que normalement j'en ai mis 5. À mon avis, on lui a fait des dégâts à un moment et non, je sais plus. Bon. J'ai ça. D'abord, j'ai un sort. Je le prépare. J'ai 2 sorts. C'est fait. Ensuite, j'ouvre cette brèche pour. Avec Mada qui fait 3. Et 1, 4. Voilà. Hop là, et ensuite ben je fais ça, voilà. Ah, mais j'ai mes 2 sorts à ranger aussi. Voilà. 3, tac, tac. J'ai fait un peu n'importe quoi encore, j'ai l'impression. C'est moi qui picole, c'est toi qui... Ouais. Voilà. C'est revenu dans l'ordre. Ça, c'est bon. 2, 3, 4, 5, c'est bon. Et on refait ça, et c'est reparti pour un tour. Allez, Némésis, donc une bog. À cause de lui, on pioche une carte, déchaîné 2 fois et un joueur subit 2 dégâts. Ok, donc une fois, 2 fois, et un joueur subit 2 dégâts. Ok. C'est à moi. Je fais 3 dégâts en tout. Je vais subir un dégât pour enlever 3 bogs. 1, 2, 3. Donc ça sera rangé dans ma défausse. J'ai pas de sort du coup. Je peux stabiliser 3 gratuitement. Puisque c'était 3 pour stabiliser. Et ensuite, j'ai 4 gemmes. Je vais faire mes 2 charges. Et je pense que je vais me redonner directement 4 points de vie. Voilà. 2 sorts, je stabilise une brèche. Ah, oh non, d'abord je stabilise la brèche, comme ça, ça fait là. Ça. Et j'ai 2 cristaux, je prends. Oh. Une charge. Une charge. Ok.
C'est à moi. Alors, je peux stabiliser. Ah, bah voilà. Pour deux fois. Je peux stabiliser pour trois une fois. Stabiliser pour trois une deuxième fois. Et ça ouvre ma dernière brèche. Je vais pouvoir commencer à prendre les sorts qui font un max de dégâts avec les brèches. Alors, j'ai 4 et 1, 5. Défausser jusqu'à 2 cartes de votre main, infliger 3 dégâts par carte que vous avez. C'est pas mal ça pour se débarrasser des cristaux quand on veut plus rien acheter. Ou un petit sort. Hein. Ouais, mais je vais peut-être en reprendre quand même un moment des cristaux là parce que j'en ai pas des masses. Donc pour 4, tant pis, je vais reprendre 2 charges là. Et je pense que le prochain coup, je commencerai à acheter des sorts intéressants. Allez, c'est à toi. Ah, 2 de moins. Ah non, 3. Tu perds un point de vie. Comme ça, on le finit. Ah bah non, oh là là. 2, voilà, les deux bugs pour 2. Du coup, j'ai un dégât pour rien, quoi, c'est ça. Sauf si tu dépenses un point, à ce moment-là, on lui enlève un, mais bon, c'est pas ça qui fera que... Bah non, on peut pas. Si. Non. Parce que t'avais 2 là-dessus. Oui. Donc tu faisais 1 et 1 en perdant un point de vie. Et ton dernier, tu utilisais pour 1. Celle qui était toute seule. Ouais, point de vie, c'est dur à rattraper. Alors. Ouais, du coup... Je vais quand même le mettre là. Je peux stabiliser une brèche. Et vu que j'ai que un cristal, et ben je paye un pour stabiliser. Voilà. C'est bon? Ouais. C'était qui la Némésis? Némésis. Une bogue. Pouf, et une carte. Déchaîné 2 fois. Le joueur ayant le plus grand nombre de sorts préparés défausse son sort préparé le plus cher. Ah non, c'est pas juste. Bon, ça nous ralentit vachement quand même entre lui et lui là. Allez. Lancer le genre de sort préparé d'un joueur sans le défausser, ça peut être moi? Oui, puisqu'il y a marqué d'un joueur. Mmh. S'il y avait marqué d'un allié, c'était pas toi inclus, mais d'un joueur, c'est toi inclus. J'aurais pu faire le carnage avec ça. Bon. Allez, c'est parti. Joueur 1, c'est toi. Alors, combien de dégâts? 3 et 1, 4. Ah oui, mais là, ça vaut le coup quand même de perdre un point de vie. Pour quoi faire? Pour défausser 4 bugs d'un coup. Sinon, ça fait que 2. Non, ça fait 3. 3 et 1 à lui. Ah non, on peut pas. Qu'est-ce que tu me racontes? Bah, j'ai 3 dégâts. Il y en a 5, oui. Bah, oui, ça mais fait 3. C'est à un seul. Je te rappelle, si tu perds pas un point de vie... Tout à l'heure, j'ai pas compris. Oui, je l'ai fait. Ah oui, bon, on le fait, alors oui. Ah, il dépense un point de vie, et donc ça fait 4 bugs en moins, c'est ça, 3, 4 dégâts en tout. 2, avec celui-là. 3, 4, oui. Bon. J'ai 2, 4, 6, 8... Alors, attends. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Et il te reste 6. Il me reste 6. Et je vais prendre. Je vais prendre ça. Ok. Et je vais le mettre. Il fait quoi celui-là déjà? Infliger 3 dégâts. Infliger 2 dégâts supplémentaires par sort préparé sur une brèche adjacente. Ok. Non. Celui d'à côté? Ouais. Pour le nombre de brèches ouvertes?
Ça fera 6 dégâts en tout sur un sort. Ouais. Numéro 2, c'est moi. Alors là, j'ai 4 sorts à préparer. Ah, oh, quoique. 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3 et 4. Par contre, j'ai qu'une gemme qui me sert à rien. Donc, c'est fait. 3, 4 et 5. Finalement, j'ai repris l'autre. C'est à toi. Alors. Ça serait bien si c'était à moi là. Parce que là, j'ai lancé un sort que vous avez préparé ce tour-ci, infligé 2 dégâts supplémentaires. Mais du coup, ça fait 4 dégâts pour. Ah, mais j'ai pas perdu mon 1 moi tout à l'heure là. Oui. Du coup, ça fait 4 dégâts. Non. Non, quoi? C'est quoi ça? Ah, tu peux le lancer 2 fois? Je peux le lancer maintenant si je veux. Et c'est infliger 2 dégâts supplémentaires avec ce sort. Donc en tout, ça fait 4 dégâts. Mais si je perds pas un... mais non, ça sert à rien du coup. C'est bête parce que tu détruis lui, point barre. Quoi qu'il arrive, avec un sort. Là, il n'y a pas l'histoire de répartir avec les bogs. Donc attends un petit peu. Bah, attends un petit peu, elle me sert à rien. Ah bah oui, sinon bah tu tues lui, hein, tant pis, et tu utilises celui-là et tu poses d'autres sorts sur ta brèche qui fait un dégât. Je vais faire ça. Allez, comme ça on tue la bogue. Du coup j'ai la dague machin chose pour stabiliser, ouais. Donc ça fait que 1. Et voilà, fin de la représentation. Ok. C'était pas brillant. Némésis. Une bogue. Et on pioche. Puissance 1. Gravold subit 3 dégâts, sauf si un joueur défausse une gemme de sa main. Et après, il faudra le répéter 5 fois de plus. Némésis. Une bug. Ça. Alors, du coup. On peut l'annuler avec une gemme. Je la défausse. Donc, il faut le faire 5 fois de plus. 1, 2, 3. Je prends des pions comme ça. 4, 5. Donc, je défausse à nouveau une gemme. Je défausse à nouveau une gemme. Je défausse à nouveau une gemme. Est-ce que tu as 2 gemmes à défausser? Ouais. Non. À moins que tu veuilles qu'on mette 3 dégâts et... Non, mais... Ouais, enfin moi, la rigueur, ça m'intéresse... Ah ben non. Ouais, mais moi, je peux même ah pas... Ah si, j'en avoir une là, donc ça m'intéresserait d'en garder au moins une, quoi. Mais j'en ai pas d'autres. Bah tant pis, on perd 3. Donc là, il en restait 3. Toi, t'en as une à défausser? Ben... Parce que sinon, on perd quoi? 6? Ouais. 6 sur où? Révolte? Ouais. Ça va encore, non? Ouais, parce que moi j'aimerais bien en garder un pour ouvrir ma brèche. Donc là, t'en as défaussé qu'une dans l'histoire. Donc ça fait 2, quoi. Voilà. 2 fois, donc ça fait 6 dégâts sur Gravol. Hop, hop, ça fait 19. Hop, 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 hop. Voilà. Et pour finir, c'est moi. Alors j'ai 1 et 1 pour les deux bogues. Ensuite, j'ai 3. Donc lui, on l'envoie à Patres. 1, 2, 3. J'ai 2. 54. J'ai une dague fléchissante qui me sert à rien. Donc je vais la détruire et infliger un dégât. Et avec l'éther que je gagne plus celui-là, je mets une charge supplémentaire. Donc celle-ci, je la détruis. Allez, 53, c'est parti. Et tu faut l'enlever, celle-là. Et je l'enlève. Et je mets tout ça avant ma gemme que j'ai posée. Voilà. Tire d'abord. Ouais. Bah, je vais mélanger et après tu vas tirer pendant que je finis de prendre mes cartes. Piocher là ou pas? C'est un peu compliqué. Ah, c'est à moi. 3,
4, 5. Oh là là, 2 dégâts. Parce que je détruis 2 dagues. Donc en T1, j'en ai peut-être pris un peu beaucoup. Hein. Oui, oui. Et ensuite, j'ai 4 gemmes ou 5 si je prends un sort. Bah, je vais prendre un petit sort à 3, me prendre une charge supplémentaire. Voilà. Ça sera pas mal pour ce tour. Tu peux piocher. 1, 2, 3, 4, 5. Oula, j'ai commencé à trier. Némésis. Un cautériseur. Lorsque ce serviteur subit des dégâts, ils sont réduits à 1. Et un joueur subit autant de dégâts que la vie actuelle de ce serviteur. Ok. 2. C'est à moi. Ah, j'ai pas de sort de près, c'est bête. On va mettre lui ici. Pour 4. Pour 4. Qu'est-ce que je vais faire pour 4? Ouais. J'ai presque envie de prendre un rubis pour pouvoir commencer à faire le ménage avec mes cristaux normaux. Ben non, parce que si tu prends ça, c'est bien ça. Ça te permet de défausser des cartes qui te servent à rien et ça fait 3 dégâts. Alors donc je prends ça là. Bah, tu fais ce que tu veux, mais te défausser tes cristaux, c'est pas. Vous pouvez détruire une carte. Ça sert à rien de détruire une carte de sa main. Ah, mais t'as pas 4, t'as 5. Attends, je veux dire que t'as pas 5. Oui, c'est pour ça, j'ai 4 pour l'instant. Donc je tant pis, je prends ça. Mais... Et après, une fois que j'aurai un peu plus. 2, 3, 4. Et 5, et c'est ta Némésis. Oula, 3 dégâts. 3 dégâts, bah c'est moi qui vais les prendre. Et on pioche une carte. Un porte-venin. Le joueur ayant le moins de vie subit 2 dégâts, ou un joueur défausse un sort préparé coûtant 3 ou plus. Et il a 9 points de vie. Bon, bah, comment va falloir commencer à tabasser là, parce que sinon c'est nous qui allons nous faire tabasser. Ensuite, number one. Ah, t'as pas de sort préparé en fait. Non. Et bon, par élimination, il reste toi après. J'ouvre une brèche. D'accord. Et tu vas faire 2 dégâts. Donc tu peux faire que 1 et 1. Ah bon? Ouais. Même sur lui là? Bah, ou alors tu veux faire 2 sur lui? Ah. Ouais, mais lui il va nous faire 3. Hein, si... Mais je peux. Pourquoi t'as dit 1 et 1? Je peux faire 1 et 2. J'ai... Ah, t'as, pardon, t'as le. Oui, j'avais oublié que t'avais le. Voilà. Mais enfin. Donc ça c'est des fosses. Oui. Ah, ça a commencé à être pas mal là. Ouais, je prends une charge. Ah, est-ce que je peux. Ah oui, non. Mais est-ce que là je l'ai préparé, mais je peux le lancer du coup? Bah oui. Alors, je vais prendre une charge. Tu me re... Ah, il n'y en a plus. Bon, je vais faire mon truc alors. Ouais, ouais, ouais. Lancer le sort préparé d'un joueur sans le défoncer. Ah. Ah bah, jette celui-là, comme ça, tu le fais une fois. Et une deuxième fois. T'as le droit, non? Ah non, je sais pas. Si, lancer ce sort à nouveau. Ouais, c'est pas la même fois. C'est pas 2 dégâts, c'est 1 dégât, puis un autre sort à 1 dégât, en fait. Donc, je pense que c'est bon. On peut détruire lui, si tu veux. Et ce serait pas mieux de détruire lui? Pourquoi? Tu peux le détruire, lui? 3 dégâts plus 2 supplémentaires à chaque brèche. Ah bah oui. Alors, attends. 3, 4, 5, 6, 7... Il a combien? Bah, il a 7, donc voilà. Tu finis lui. Et je peux le relancer encore une fois. Ouais, et tu fais perdre un point à lui. Mais bon, ou... ah, combien? 7? Ouais. Ouais, 7. Hein. Ouais. Ou un point? Non, 7. 44. C'est bon? C'est bon. C'est à moi. Alors, j'inflige 2 dégâts. Donc je fais un dégât sur lui, tant pis. Ensuite, eh ben, bim bam boum. Hein. Tac, tac, tac.
Tac, et j'ai qu'un cristal qui me sert à rien. 1, 2, 3, 4, 5. C'est encore à moi, cool. Alors, déjà, avec lui, je termine mieux. Ensuite, j'ai 1, et ça fait 3, 4, 5, 6 dégâts à la Némésis. Elle tombe à 38. Ça commence à lui parler, là. Ça commence à la chatouiller un petit peu. Voilà. Paf. J'ai un éther en plus. J'ai... De ce côté-là, j'ai 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, éventuellement si je prends un ou deux sorts. Alors, j'ai peut-être faire quelque chose de bizarre. Ah, j'aurais bien aimé prendre ça, là, un coup, là. Parce que l'avantage, c'est que ça te donne une charge à chaque fois que j'utilise. Oh, mais il faudrait en avoir deux. Mais non. Si. Non, s'il s'agit du premier saphir que vous jouez. Un suffit. Mais l'embêtant, c'est que ça me fait dépenser beaucoup, là. Moi, je prendrais ça, ça fait 6 dégâts. Alors, ça, là. Ouais. J'en prends deux. Tu poses deux et tu mets avec deux cristaux. Je peux prendre ça et ça et faire une charge. Ça te va? Ouais. Alors, ça et ça, ça fait 8. Voilà. Mais mets ça avec les cartes balourdes que tu peux défausser. De quoi? Ça, mets-le avec des cartes balourdes que tu peux défausser, genre des cristaux. Oui, oui, oui. Voilà. Et j'ai dit que j'ai rajouté une charge. Voilà, comme ça. Je te redonne 5, 4 direct. Ouais. Allez, reprends 4. Tu me les donnes. 4, 4, 4, 1, 2, 3, 4. Et voilà. Ok. Et tout ça, c'est quoi ça? C'est tout ce que j'ai jeté, mince. Alors, je paf. Voilà, ça fait un sacré tour quand même, hein. Je vais quand même répartir un peu. Ouais, quoi que non. Si. Je peux pas avoir 4. Je vais mettre. Voilà, comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Ça, ça et ça. 1, 2, 3. 4, 5. Non. Et. Némésis. Les bogs ont 2 points de vie. Les bogs ayant subi des dégâts récupèrent tous leurs points de vie à la fin de chaque tour. Il y a puissance 3. Oulala, la reine carapace est sème. Donc voilà. Alors déchaîner une fois. Lui, il a 2 points de vie. Et dans 3 tours, en fait, elle va essaimer 2 fois, ce qui veut dire qu'il va y avoir. Pourquoi t'as mis qu'une bog déchaînée, c'est pas 2 bogs? Ah oui, pardon. Ah. Bien vu. On s'assure. Qu'est-ce qu'on fait pour l'annuler? On peut pas. La reine carapace va essaimer. Qu'est-ce qu'il faut alors? Pas de bog? Non, même sans bog, elle va essaimer une fois, mais si on dépasse, ça craint après. Ça va faire de plus en plus de choses. Donc au moins, il y en a, au mieux c'est quoi. Des bogs. Là, actuellement, ça irait, mais on n'est pas sûr que ça va rester dans cet état en fait. Joueur 1. Ah! Bon, déjà, ils ont 2 points de vie. Est-ce que tu peux faire 4 dégâts facilement? Bah, déjà, il y a 2 dégâts. Il y a déjà 2 dégâts. Donc Ah oui, mais c'est. Sinon, tu perds un point de vie. Si tu veux répartir des dégâts, tu dois perdre un point de vie avec les bobs. Qu'est-ce que j'ai dans la main? Ah. Alors, 2 dégâts. Une bogue en moins? Oui. Ok. Ah bah non, je peux pas. Pourquoi? De dégâts et du coup... Non, bah je vais laisser une bogue. Hein. Je peux infliger des dégâts à la Némésis si... Bah, tu voulais faire celui-là 2 fois? Non, mais je peux pas le faire 2 fois. Pourquoi? Bah parce que j'ai pas. Ah, si t'as pas la carte. Vous pouvez lancer un sort que vous avez préparé ce tour-ci, mais j'ai pas ah, le non, sort. Ah non, oui, c'était pas ce tour-ci. Donc...
En fait, je vais infliger... Ouais. 3, 6 dégâts, 7 dégâts. Et du coup, je peux les infliger directement. Pas grave qu'il y a des bogs. Ça la protège pas, les bogs. Non, non. Bon, alors je défausse. Il y a que quand... Je défausse ça et ça. Alors, ça fait combien? Et ça fait 3 et 3, 6 et 1, 7. Donc, il lui reste et 30, un 8. 31, 30, il lui reste. Donc, ça, voilà. C'est fait. Et après, j'ai 2, 4, 6, 7. Ben, je vais prendre ça, j'aime bien ça. Ok. Et une charge. Némésis. Et du coup, il faut que je... ça. Hop là. Alors, on a le choix. Alors, Grévold subit 4 dégâts et le joueur ayant le moins de points de vie subit 4 dégâts. Ok. Ou mélanger toutes les cartes ordre du tour de la Némésis dans le paquet ordre du tour. Ça fait qu'on va faire ça aussi dans l'histoire. Et on va tirer 2 cartes. Donc j'ai 4. Et ouais, c'est ça qui craint là. Ouais, mais si on les remet, on va tomber sur la puissance machin. Ah, mais il n'y a pas grand chose. Ouais, bah remets-les alors. Je sais pas, moi j'ai. De quoi remets-les? Non, je sais pas, la Némésis, ouais, j'ai du mal à. Et on les remet en mélange? Bah, c'est pas. Mélanger toutes les cartes, ouais, tant pis. On va se taper. On va voir ce que ça va donner. Hein. C'est nul ça. C'est à toi. Oh putain, tu avais rien préparé en fait. Bah non, j'avais rien. Allez, prépare-nous plein de choses. Hein. Bah rien du tout en fait. C'est tout ? J'ai un dégât. Ah. Ça sert à rien ? Bah si, sur la Némésis. Et j'ai 3, voire 4. Bah prends ça parce que tu pourras défausser de cristaux, ils te servent plus à grand. Ah si, pour les charges. Bah sinon prends des charges encore. Ah oui. Eh bah t'aurais pu lancer enlever la bog. Ouais, mais ça me fait qu'une charge. Ouais, ouais, je vais prendre une charge. Ouais. Ok. Bon bah de Némésis hein. Némésis 1. C'est parti. Alors, puissance 5. Oh punaise, déchaîné 3 fois. Oh. Et en plus, on sait qu'il y a une Némésis juste après. Pour défausser, détruisez 2 sorts préparés coûtant 3 ou plus. Donc, ok. Ensuite, tac, celle-ci. Némésis 2. Alors, la première. La reine Carapace SM. Mettez 4 bombes. 1, 2. 3, 4. Ensuite, déchaîner 3 fois. 1, 2 et 3. Et là, on a intérêt. Alors, puissance 1. Dépenser 7. Le joueur ayant le plus grand nombre de charges subit 4 dégâts et perd toutes ses charges. Ça, ça sera pour après. Donc là, on a un gros nettoyage à faire. Oi, 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 oi. En même temps, il ne reste que 29. Hein. Donc on fait un gros nettoyage là. J'espère qu'on a. Bah, c'est les sorts qu'on n'a pas beaucoup acheté cette fois. Bah si, mais. Mais moi, il faudrait que j'ai je redonne. J'en ai pas redonne, beaucoup, un coup, j'en ai beaucoup. Hop. C'est pour ça que se débarrasser des cristaux, au bout d'un moment, c'est pas mal. Hein. Némésis. Hop là. Tu subis 4 dégâts et tu perds tes charges. À moins que... Ah ben non, oui, t'as pas le choix, en fait. Voilà. Et on pioche une carte. Un joueur place sa défausse sur sa pioche. Mélange le tout, puis détruit les 4 premières cartes de son paquet. Puis déchaîner 2 fois. Oh là 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 là. Bon, ben, je vais faire ça. Hein. Ah, ben j'ai pas de défausse. Mélange le tout, puis
Donc je mélange. Je détruis les 4 premières cartes dans mon paquet. Mmh. Et après, il y a un déchaîné de choix. Mmh. Donc il va y avoir les 15 bogues. Il ne faut pas qu'on en rajoute une, sinon mmh. on est mort. S'il y a un Némésis. Si c'est Némésis et que c'est essaimé, on est mort. Oh, super. Hop là. Un cristal. Ouf. 2, un cristal. Tu t'en sors 3, bien. Un cristal. 4, oh, un écho spectral. Voilà, ça, c'est fait. Donc, joueur 1. 2 dégâts. Un là et un là. Ouais. Ou alors, non, ouais, on nettoie. Non, j'ai pas assez, je vais pas perdre un point là. Ok. Ah, t'as pas préparé. Un dégât encore. Ah, voilà. Et voilà. Hop. Ah, encore toi. Oh. 3 bogues. Ou 2 bogues et tu fais des dégâts. 2 bogues et je fais 3, 4, 5, 6, 7. 21. Allez. Allez. Némésis. Attends, parce que j'ai pas joué. Ah, pardon. Là, je lance mes sorts. Oui. Donc ça fait. Ah oui. Bâton d'explosion, vous pouvez lancer un sort que vous avez préparé ce tour-ci et infliger 2 dégâts supplémentaires avec ce sort. Donc ça fait 2, 3, 4, 5. Est-ce qu'il vaudrait mieux pas que je perde 1 pour du ouais. coup, virer ouais, allez. Ouais. T'as ce qu'il faut ? Ou il t'en manque un ? Non, c'est bon. C'est bon ? Donc 5, 1, 2, 3, 4, 5, c'est pas mal. Donc du coup, ça fait ça, du bien. Fait. Et après j'ai 2, 4, 6, 8, 10. 10. T'as pas préparé de sort ? Non. Ben voilà, 5. Voilà, donc ça. Je vais faire. Mets 3 cristaux avec. Et là, comme ça. C'est bon ? Je puis-je ? Oui. Némésis. Reine Carapace et Sem. Déchaîné et Reine Carapace et Sem. Donc, Reine Carapace et Sem. 1. 2. 3, 4, déchaîné, 1, 2, et reine carapace et sem. Donc je mets 4. Ensuite, un joueur défausse un sort préparé et mettez 2 bogues en jeu. Mais on vient de tout vider, c'est pas juste. Et le Grévol subit 5 dégâts. Ah oui, là ça fait mal, hein. On est à 14. Et ensuite, le joueur ayant le moins de vie subit 3 dégâts et défausse une bogue. Je suis plus qu'un. Bon. Ouais, on est mal. Bon, en même temps, il n'y a plus de Némésis. Hein. C'est 2 fois moins. Allez, une fois moins. Je vais préparer ça. Je vais prendre 2 charges. Je défausse. Je pioche 5. 1. 1. 1. 1. Allez, je crois que c'est encore moi. J'inflige 3 dégâts. Je perds 1 pour tuer 3 bogues. Ça, c'est fait. Ensuite, je vais faire ça. J'ai 2, je reprends une charge.
Et ben après, il faut espérer que... Je suis en train de jouer encore. 1, 2, 3, 4 et 5. Ouais. Après, si tu peux me faire lancer un sort deux fois, j'enlève encore des bugs, mais bon. Non, non, j'ai pas rechargé. J'aurais dû recharger, en fait. Ah oui, oui. Mal joué. Allez. On est reparti. C'est à moi. Foufoufou. Ah, je vais peut-être pouvoir te sauver la mise, là, quand même, hein. Alors, en tout, un dégât, une bogue, un dégât, une bogue, tant pis, un dégât, tant pis quoi, ah, une bogue, et puis deux dégâts, tant pis, trois, bah alors, je dépense une vie pour répartir, enlever 4 d'un coup. Pourquoi 4 ? 3 ? Pourquoi 4 ? Bah parce que ici j'avais perdu du. J'ai un point là. Oui. Donc si je dépense maintenant, en tout ça fait 5 dégâts, okay. Et ça fait 5 bombes en moins. Allez, non, mais tombe à 4. Ouais, non, vous en avez déjà enlevé une. De bog. Ouais, donc. Donc ça fait plus que 4 bog. Oui. Voilà. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Tac, tac. Tac, je vais un peu espacer mes sorts, moi je pense après. Hein. Parce que là c'est un peu compliqué. Ah, mais oui, mais c'est bête ça. Combien de fois de charge ? Mais t'es pas obligé de. Ben non, mais c'est le prochain tour. Oui, oui, c'est le prochain tour. Alors, donc, 2. Alors, 2. 4, hein, voilà. Hein. Tu me re-soignes ? Oui, je te re-soigne de 4. Et je repioche 5 cartes. 1, 2, 3. Ah, ben j'ai moins de cartes, moi, du coup. Ah, ben oui. Qui m'en avait fait défausser 4, là, le bestiau là-bas. Là. Détruire. Détruire, hein, pardon. 1 et 2. Et c'est à Némésis. Oui. Déchaîner deux fois. Le joueur ayant le plus grand nombre de brèches ouvertes doit détruire 4 cartes de sa main ou subir 4 dégâts. Alors, déjà, déchaîner deux fois, ça fait 4 bogues. 1, 2, 3 et 4. Ensuite, le joueur ayant le plus grand nombre de brèches ouvertes, on est tous les deux pareil, doit détruire 4 cartes de sa main ou subir 4 dégâts. Qu'est-ce que t'as comme truc ? Des bons trucs ? Bah, j'ai 4 trucs de base, éventuellement. Enfin, non, pas 4 trucs de base, mais bon, t'as quoi, toi ? Bah, j'ai deux fois. Défausser pour faire 6 dégâts par carte. Ah. Bah après, je peux en faire qu'une. Hein. Du coup, tu fais quoi ? Ben... Non, mais là, c'est pas collectivement. Hein. C'est... Oui, je sais. Ah. Je après, garde que mon écho spectral. Si tu veux. Parce que t'as déjà joué une fois. Ouais. Alors que moi, je pourrais éventuellement faire beaucoup de dégâts. Bon. J'ai pas beaucoup de cartes, moi. C'est les détruire ? Oui ! Ah ! Détruire, oui. Ah oui, oui. Voilà ! C'est à toi. Alors. Deux cristaux, je reprends une charge. C'est bon ? Oui. C'est à moi. Bon, je vais défausser. Ah, t'as vu que c'est que deux cartes max hein, de route. Oui. Là. Mais ça fait 7 dégâts. Ouais, ouais, je vais défausser une carte, tant pis, ça fait 4 dégâts. Perdre un point de vie, tant pis. Et on vit 4 bogues. Ah. 4, 5. C'est un peu la misère.
Hop là, joueur 1. Alors, je défense 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Du coup, je fais 14, 15 dégâts à la Némésis. Oui, oui. Quoi ? Ouais, 15 dégâts à la Némésis. 3 et 3, 6, 12, 13, 14, 15. Donc, il aurait 6 points de vie, c'est ça ? Ok. Rien. C'est pas ça. Ouais. Ensuite, qui est... ben, il reste la Némésis. Hein. Le déchiqueté, il a 14 points de vie. Ouais, mais bon, si on fait les 6 dégâts qui restent, c'est bon. 1, 2, 3, 4. Par contre, son effet s'est déchaîné deux fois. Alors, on va espérer que ça soit pas la Némésis deux fois d'affilée, là, parce que sinon ça fait 4 et 4, 8. Plus des cartes à chaque fois. Pour bien faire, faudrait que ça soit moi. Ou moi. Ben moi, je peux faire les dégâts qui manquent. Et moi aussi. Ah ouais. Allez, on va prier, sinon je pense que ça va... Ouais, ça va augmenter les bugs, mais il y a une carte qu'on pioche. Hein. C'est ça qui craint. Et je vais finir avec deux cartes, moi, dans ma main. Mmh. Allez, on y croit. C'est toi. Alors, deux dégâts. Du coup, à qui, là? À la Némésis. Ouais. Je mets ça. Ah, mais c'est pas maintenant que tu les fais. Vous pouvez lancer un sort que vous avez préparé ce tour-ci et infliger deux dégâts supplémentaires avec ce sort. Donc, je défausse deux quarts. Donc, ça fait 3 et 3, 6, 7, 8, 9 dégâts. Hop là. La Némésis tombe à 0. Ouf. J'avais encore un sort. Ouais, c'était chaud. Moi, il me reste 3 points de vie et très peu de cartes. J'ai borflé deux fois 4 cartes détruites. Mais bon, on a réussi à venir à bout de la Némésis. Bon, j'espère qu'on n'a pas fait de conneries. Oui, j'espère qu'on n'a pas fait de bêtises. On compte sur vous pour éventuellement, si on a loupé quelque chose, nous l'expliquer. Et puis, mais a priori, voilà. Finalement, je pense c'est pas qu'on trop mal celle-là. Ouais. C'est la première fois qu'on l'a. Bah ouais, au tirage au sort, des fois on a des surprises. Hein. Allez, plus... on vous dit merci et à bientôt. Si ça vous a plu, des petits likes. Si vous voulez suivre la suite, bah, abonnez-vous. On essayera de faire à 3. Et s'il n'y a personne de disponible, on en fera peut-être à 2. On verra, on a d'autres jeux aussi à faire. À bientôt !